assez loin cette fois. Ça signifie qu'on approche. Waouh, quel accueil. Eh bien, salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XV sur PS4. Et là, on arrive sur la dernière stèle du Fulguréen. Hé, regardez, la foudre a dû s'abattre ici. Dites, on est vraiment obligé d'entrer. Ouais, je pense qu'on n'a pas trop le choix de toute façon. Caverne de l'Est, on arrive. Allez savoir ce qui nous attend là-bas. Restons prudents. T'inquiète. Ok, donc entrer dans un nouveau donjon là. On va voir ce que ça donne. On dirait que c'est super profond. Oui, je me demande bien jusqu'où ça va. Oh putain. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Un danger nous attend à chaque recoin. On évite les recoins. Pigez. Croûte d'ancien dragon. Alors, ça en général, ça se revend extrêmement cher vers les marchands. Donc c'est pratique. On pourrait passer par là. Essayons. Par contre, je me demande si on a besoin parfois pour améliorer des armes ou autre. Ça, c'est une question que je me pose à chaque fois que je vends des objets. Je me dis, est-ce que je vais pas en avoir besoin pour améliorer une arme plus tard? C'est un peu serré. Parle pour toi. Moi, perso, je suis à l'aise. Et il fait extrêmement sombre dans ce donjon. Waouh. Pas tant que ça, en fait. J'avoue que c'est délicat. Pour la peine... Chut, pas un mot. Mec, pourquoi? Juste un mauvais pressentiment. D'accord. On a le droit au diablotin. Pardon. Alors, il y a une arme que j'aimerais bien tester, c'est les crocs... Merde. Les crocs de lion. Parce qu'on les a pas encore essayés. Normalement, c'est moins fort, mais c'est beaucoup plus rapide. Enfin, d'après les descriptions. On va vite se débarrasser des diablotins parce que Gladio, comme vous pouvez voir, il est empoisonné. Allez, crève. C'est bon. On y va. Oui. Ouais. Est-ce qu'il a ramassé le truc sur le sol? Non. Ok. Ce qui est bien avec Gladio, c'est qu'il ramasse, en fait, des items sur les ennemis lorsqu'on termine les combats. Par contre, il n'y en a pas un dans la team là qui ramasse des trucs au sol. Du coup, faut faire attention. Oh hey, c'est pas le moment de faire l'idiot. Sabre du mystique. Alors, juste avant, attendez. Je vais changer l'équipement. Comme je disais, j'ai vraiment envie de tester... Les crocs du lion. Hop, on verra ce que ça donne. Allez, on se faufile. Ça devrait aller. Garde la tête basse. Oh, de la lumière. Eureka! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à une nouvelle recette. Ah, j'ai hâte d'y goûter. Pour un instant, j'ai cru qu'il allait trouver quelque chose. D'accord, au pire, on pourrait sortir par là. Pièce du sacre de l'oracle. C'est pas le moment. Génial. Je vous propose qu'on teste les crocs du lion. C'est parti. Alors perso, je trouve pas ça super rapide. Ou alors j'ai pas la bonne technique, c'est possible aussi. Oh merde. Bon attendez. Là je repasse en mode normal parce que... Malheureusement... Je perds trop de vie. Hop, potion. Mais qu'est-ce que tu prends? Mes excuses. Je crois qu'il est empoisonné. Putain, c'est super chiant ce saloperie. Waouh. Eh, ça fait de gros dégâts là. Ça explose, d'accord. C'est pour ça que ça fait des gros dégâts. Oh, ça se charge, d'accord. Électrobombe. C'est bon ? C'est bon.
Période de location terminée. Ah oui, ok. Non, 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 non. C'est pas très grave, ça. J'ai rien dit. Je perds ma vie à fond. Est-ce que j'ai un remède? Ouais. Suivi d'un élixir. On y va. Ok. Ok, on est reparti. Waouh. Ça commence bien, ce donjon. Oh, c'est sans fin. J'espère juste que ça va pas être un labyrinthe comme les autres. Allez-y. Ok. Oh, j'arrive pas à les toucher. On va passer à la lame motorisée, c'est plus rapide. Ok, c'est bon. Un de moins. Évidemment. J'aime pas trop les phases de combat en zone restreinte, c'est-à-dire dans les passages étroits. Parce que c'est super difficile en fait à éviter les ennemis et à les combattre. On est limité dans les mouvements et dans les esquives, je trouve. On s'en sort pas si mal. Prêt pour la baston suivante. Ouais, un instant. On va essayer de trouver d'abord le foudroyeur. Oh, sa mère. Putain, ça m'a trop foutu les boules. Il y a des jumpscares en fait dans le jeu. Et si vous mettez le son un petit peu trop fort, ça arrive de vous surprendre énormément. Comme ça a été le cas pour moi là. Ok. Pas fini. Crève. T'as ces périodes, ce battement noir. C'est bon. Waouh. Alors un instant, il y a plusieurs choses sur le sol que je vais ramasser là. Bracelet d'améthyste, d'accord. Et ça c'est quoi? Bois fossilisé. Ok, ok. Il y a deux chemins apparemment. Les deux sont séparés. Code du voleur. Ça me donne envie de voir. Attendez. On va aller de l'autre côté parce que le chemin il est en cul-de-sac. Du coup il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à ramasser, je sais pas, on va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, rien, ok. Retour à la case départ, on est reparti. Alors là il y a des essences de feu. Est-ce qu'elles sont au max chez moi? Ouais. Du coup on va crafter quelques sorts je pense. Putain. Heureusement que ça m'est pas tombé en pleine poire, j'aurais encore une fois flippé ma race. Là c'est bon. C'était derrière. Ils sont chiants ces petits diablotins. Ils sont pas très forts mais ils sont chiants. C'est pas fini. Allez crève. Gaffe à pas m'entailler. Ok. Un de moins. Alors, niveau de la magie. Hop. Eh tiens, j'ai 3 autres emplacements maintenant. Avant j'en avais que 3, maintenant j'en ai 5. Du coup on va faire du feu extra je pense. Hop là, comme ça. Foudre on va mettre 35. Et ça on va mettre 35 aussi. Allez, ah merde, allez arcane. Alors je veux pas ça moi, je veux 30 par exemple. 30, feu. Et si je rajoute quelque chose? Feu réparateur? Non, j'aimerais bien un feu extra en fait. Je sais plus comment on fait les feux extra. Infectieux, lance un sort qui empoisonne la cible. Ah, ça peut être pas mal ça. Eh, ça peut être pas mal du tout même. Poison niveau 45, 50. On va faire ça, on va tester. Ouais, ça m'a l'air bien. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé. Voilà, ok, je suis perdu. C'est bon. Désolé. Voilà. On a un feu infectieux. On va l'équiper. Ici. Ouais. C'est bon. On va partir sur ça. On bouge. Je vais recharger mon feu au passage, ça peut toujours servir. On s'enfonce et c'est de plus en plus noir, c'est ouf. Là il y a de la glace, parfait. Un truc à ramasser.
Cool. Bon, c'est où la sortie ? Sphère magique. Ah, il y a des ennemis par ici. On va pas les attaquer, on va passer par là. Oh putain de merde. Ok d'accord, donc ça va être... ça va clairement être le donjon jumpscare. Mais il y en a un gros paquet, waouh. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est le même donjon qu'on a fait dans la démo. Parce que je m'en souviens un petit peu, même si ça fait un an et demi en arrière. Là, c'était le passage de l'histoire que j'avais dû faire à l'époque. Allez, crève. Il y a un truc qui est pas cool. C'est qu'on est encore une fois infecté. Et j'ai qu'un seul remède restant, du coup. Du coup, ça va être chaud. Hop. Poisonné ou quoi ? Adieu ! Il y a un truc qui serait bien, je trouve. Et je sais pas si c'est possible, en fait. C'est de pouvoir créer nos propres soins. Genre un remède, etc. Via certains aliments qu'on trouve sur le sol. C'est pour moi. Pas mort. C'est bon là ? Ouais, c'est bon. Je crois que je commence enfin. Prendre le coup de main. J'ai vu pire. Allez, cette fois-ci on va pouvoir passer. Enfin, je veux dire, t'es sincère ? Vraiment ? J'ai l'impression aussi que le poison, en fait, il disparaît au bout d'un certain moment. Parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai pas utilisé de remède ou autre, mais il s'est enlevé de mon statut. Donc ça doit être ça. Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Ammonite fossilisé. Mmh. 200 mètres, waouh. Bougez plus. Hein ? Vous avez entendu ? Naga ? Oh putain! C'était quoi? Hé! Hey, ça va aller! Ils sont là! Oh, comme ça m'a foutu les boules encore une fois! Il est bizarre ce donjon, je vous jure! Tout va bien? Absolument pas! Cet endroit c'est un cauchemar! Et moi qui ai horreur des serpents! Des serpents? On va traîner jusqu'ici! Attendez, je vois rien! Là. C'est quoi ce truc au gobelin? Oh mais c'est vachement gros. Non. Waouh, c'est quoi ce truc? Et Pronto il a plus beaucoup de vie. Allez. Attendez, vous savez quoi? On va utiliser quelque chose. La magie, on l'a pas faite pour rien. Voilà. Oh mais c'est super efficace. On reste groupé. Bon, par contre ça, les crocs de lion c'est vraiment faible. Je sais pas comment m'en servir, il doit y avoir une technique. J'ai pas encore trouvé laquelle. Oh non. Saloperie de diablotin. Ils m'ont fait descendre de mon perchoir. D'accord, bon écoutez, on va se servir, enfin on va s'occuper des diablotins en premier. Non, on va vite remonter. C'est pas possible. Ils sont super chauds les hauts gobelins. Regardez à quel point ils sont balèzes, c'est un truc de fou. Ils tapent super fort en fait. Waouh. Ok, jolie parade. Là c'était bien posé. On va remonter. On est bien. On va rester là un instant. Et merde.
Waouh. Ah ouais, c'est des boxeurs en fait, d'accord. Regardez, ils ont des gants de boxe, etc. Énorme. Bon, ce qu'il y a bien, c'est qu'Indice, il est venu nous prêter main forte. Parce que là, c'était un petit peu la galère. Tout seul. Ça va, je résiste. Allez. Gladio, sois vigilant. Allez, crève. Un de moins. Putain, y'en a combien? Oh putain. Si on doit réussir, on doit rester. Prompto est KO. Ah non, ça c'est pas cool. D'accord. Alors un instant, il faut que je trouve une position éclipse. Je sais. Cela ne rigole pas. Il faut aussi qu'on trouve la position de Prompto là, qui a été KO, mis KO quelque part. Là-bas. Sûrement là-bas. Ouais, voilà. Parfait. On va le relever, on va lui donner une queue de phoenix. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il est mort. Il y a un flageur mental, regardez. Oh oh. Je me suis lancé sur la tronche. J'ai bien l'impression. Prompto, fais attention. Ah, je me suis auto-brûlé. Ok, bon. Là, ça me saoule. On va faire ça. Hop. Arme fantôme. Oh, c'est excellent. Oh, putain. On le défonce. Yes. Putain, la parade. Magnifique. Oh, excellent. Tellement puissant. Oh, c'est pas fini. Non, on peut pas utiliser les marquages. Comment c'est possible? Allez, une autre parade. Non, il m'a eu. Putain. Élixir, vite. On doit être sur la bonne voie. Je peux pas utiliser mes alliés, c'est super chiant. Bon, je lui fais des bons dégâts avec la lance. Enfin, le croc de lion plutôt. Putain, il m'a encore eu alors que j'ai appuyé sur L1. Vite, une potion. Et je tombe à court de potions là. Bon, écoutez, on va faire quelque chose d'autre. On va changer de tactique là. Non, je vois plus. Je vais tomber là. Je risque de tomber. Tu veux mourir ou quoi? Ouais, je suis tombé. Je peux pas ramasser ça, non. Dommage. Il faut que je retrouve sa position. Nous y sommes presque. On accélère. Et là. Hop, dans ta gueule. Faudrait boucler ce combat. On va attendre un petit peu, normalement là il devrait brûler. On va pas s'approcher parce que sinon nous aussi on va brûler. C'est bon? C'est bon. Allez go, on le termine. Ah, ok, fini. Phew. Chaud cette fois. J'ai bien cru qu'on était cuit. Rester en vie, ça me va parfaitement. Moi aussi. C'est une bonne idée. Alors, apparemment, le point, c'est là-bas. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de m'enfoncer ici. Ouais, y'a quelque chose. Ah putain, j'aurais peut-être pas dû en fait. Oh hey, c'est pas le moment de faire l'idiot. J'ai glissé. Pourquoi personne attaque les diablotins là? D'accord, parce qu'il y en avait qu'un seul. Il y a de l'eau. On peut pas y accéder. Donc il faut monter. On va passer par le chemin du dessus. Comme c'est montré sur la carte. Sois bref, s'il te plaît. Et précis, s'il te plaît. Là-haut, par là-bas. À l'attaque. Il y a des ennemis, mais je sais pas du tout où ils sont. Du coup, tant pis pour eux. Ah non, il faut les tuer, on n'a pas le choix. Là. Pourquoi j'arrive pas? Quand je vous disais que c'est difficile en fait de se battre dans les endroits restreints, là c'est clairement la preuve. J'arrivais même pas à faire une attaque éclipse parce que Prompto était devant. Et j'ai l'impression que ça m'a bloqué du coup. Allez, meurs. Ok.
Ça aurait pu être pire. Armille de bronze. Gladius qui a ramassé ça. Croc ancien de dragon. Ça, c'est cool. On avance. Elle est là! Je le sais! Tu vas te montrer, oui! Du calme. De qui est-ce qu'il parle, lui? Hop, d'électricité. On ramasse, ça peut servir. Le feu infectieux, c'est vachement utile contre les flageurs mentales. En fait, j'aurais dû utiliser ça dans le donjon précédent, le donjon de glace. J'y ai pas pensé. Ça sent le boss, là, la grosse salle comme ça. Je vais pas vous mentir. Je le hais, maudit reptile ! Noct, aide-moi ! Commence par t'aider toi-même. Oh putain, que c'est dégueulasse. Et si on le savait, j'en ai pas la moindre idée. On va demander ça. Ok, pas la bonne réponse. Pas la bonne réponse. D'accord. Laisse plutôt parler ton arme. Oh sa mère. Par ici. On est bien. On n'a plus de feu. C'est le moment d'équiper Noctis. Magie. Pyroglace. Quadruple. Niveau 20, 80. On va prendre ça. Hop. Et on va changer l'arme. On va mettre une arme que j'aime bien. J'aime bien le glaive du sage. Mais je pense que ça peut être sympa de mettre l'albarde acharnée. Le sable mystique, c'est bien, mais seulement avant les éclipses. Regardez, je vais vous montrer. On va prendre ça. Sous-estime l'adversaire, Iblis. Ah non, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, là. Ah, parce que je l'ai pas enclenché, je suis con. Autant pour moi. C'est quoi, ça? Du poison. Non, il m'a transformé en grenouille. Quoi? Non. Merde, comment on fait? Oh, il a défoncé Inis et Prompto. Ah. Ok, génial. Le feu. Allez. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai du mal à viser. Hop, dans ta gueule. Tu vas plus me coasser les oreilles? D'accord. Apparemment, il est empoisonné. Tant mieux. On va se remettre là, un instant. Gladio, allez, Gladio. À ton tour. Oh merde, j'ai loupé. Dommage. Je pense que ça peut être intéressant. Oh merde. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Hop. Je l'ai. Oui. Putain, les dégâts de fou avec la magie pyroglace. Par contre, j'aurais pas dû rester dans le feu. Non. Je suis dans le feu empoisonné. Non, en grenouille, d'accord. Oh l'horreur. Non, quelle horreur. Dégage-la. Viens pas par ici. Ok. Horrible. Allez, Prompto. Cette fois, la peur va changer de camp. Allez, ça va être fini. Qu'est-ce que je fais? On l'a eu. Bon. Ouh, la galère. Rendez-moi mon bébé. Space, hein. Mais de quoi il parle? Aucune idée. Je sais pas, un truc sur son enfant. Ouais, ça rassure pas. Je suis pas pressé de le voir. C'est fou. On
vois rien. T'inquiète, y a plus de monstres. Ok, écoutez, je pense qu'on va cesser pour cet épisode. Moi, j'ai envie d'aller voir l'entrée là-bas où se dirigent Gladio et Prompto. Pas directement vers le point de mission. Du coup, je vais faire ça, je pense, hors vidéo. Et on se retrouvera pour la suite de l'aventure dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très très vite. Et ciao, ciao!